moi je lève quand je vois quelque chose, hein, mais autrement c'est pas moi qui le nais. Hein. C'est le chien. Mais lui, s'il est tout seul, tandis que moi, c'est le chien qui me guide l'endroit où c'est que la bestiole. Enfin, où c'est que le chevreuil. Tandis que lui, il faut qu'il fasse par ses propres moyens. Non, mais bon, c'est un homme, c'est un mec solitaire qui aime ça. Et qui, parce qu'attention, il te faut y courir pendant des heures et des heures derrière. Hein. Pas de, moi, je suis admiratif à ce qu'il fait, et surtout en plus tuer avec un arc. Hein. Parce que nous, on a du mal à tuer avec des carabines ou des fusils. Hein. Tandis qu'avec un arc, le minimum, il te faut approcher à 30 mètres hein, pour être sûr de ton coup, autrement. Hein. Et approcher des chevreuils à 30 mètres, hein. Tu l'as vu là, le chevreuil, on l'avait à 25 mètres ou 30, on ne l'a pas vu partir. C'est la chienne qui nous l'a annoncé qu'il était parti, mais nous, on n'aurait rien vu du tout. On aurait continué à marcher, à pister, sans rien voir du tout. Hein. On l'appelle l'Indien, parce que bon, il a déjà les cheveux longs, et puis quand il est bariolé comme ça, et son arc, on dirait un Indien. C'est un enfant du pays. Hein. On est fiers, ouais. Ouais, ouais, on est fiers. Chasseur à l'arc et j'ai tiré mon premier gibier et ça a été grâce à cette rencontre là, parce que bon, si j'avais pas rencontré Patrick, je pense que je serais resté déjà dans un autre biotope et avec pas de possibilité d'accéder au chevreuil quoi. Bon, pour moi je dis toujours c'est mon maître, parce que ça, la façon de faire ça s'improvise pas quoi. On pourrait peut-être l'improviser, mais il y a quand même avant tout, je pense comme tout, il faut déjà regarder quoi. Voir. Et j'ai vu Patrick chasser, me guider, quoi. Bon, et là, à partir de là, je savais que ça serait la chasse que je pratiquerais alors, quoi. Je crois que l'homme a été sauvage un jour, on ne fait que retrouver ce qu'on a laissé quelque part, quoi. Homme sauvage. À partir du moment où on arrive à ôter la vie de quelque chose, je crois qu'on peut s'estimer sauvage. Mais bon, on est homme, on est là, on est arrivé jusqu'ici, bon, c'est un peu grâce à ça aussi, parce que sinon, je sais pas. Ouais, retrouver le prédateur qui est en nous. Alors on pourrait se poser la question, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi on a besoin de ça? Bon, je crois qu'on a besoin de se retrouver tout simplement, parce que je crois qu'on est un peu perdu. Donc c'est une bonne façon de remettre les choses en place et de dire je sais pas, il nous manque peut-être des prédateurs. Et il y a d'autres contrées où on doit pouvoir se sentir aussi prédaté. Quoi. Et la chaîne est totale. Là. Donc, prédaté, prédateur. Prédateur, parce qu'on pourrait aujourd'hui dire que malheureusement, par rapport à la nature, il reste plus que l'homme pour arriver à... Parce qu'il y a beaucoup de chevreuils, il faut quand même... qu'est-ce qu'il reste? On n'a pas de lynx ici, on n'a pas... Donc on peut s'estimer prédateur dans ce sens. Mais pour moi, c'est pas forcément péjoratif, quoi. Prédateur, faire du mal. Pour moi, ça peut vouloir dire, dans le sens péjoratif, c'est faire mal. On essaie de pour le mieux, d'approcher ce qui nous fait le plus plaisir. Le but ultime, c'est de tuer. Ouais. Mais en même temps, pour moi, c'est pas ce qui est, au fond, nécessaire. Quoi. Donc je me sens à la fois prédateur, mais pas tueur. Voilà. Tueur, prédateur.
la magie d'une apparition et d'une disparition, parce que ça ne fait, il y a pas de bruit, ça ne fait pas de bruit. Un chevreuil, il est là, il est plus là, et on peut des fois rester un moment et il peut disparaître sans qu'on ait même pu comprendre où il était passé. Puis même il y a des choses incompréhensibles encore. Il y a des choses que j'ai pas compris. Même Patrick, hein, je pense que l'histoire des sixième sens de l'animal ou des choses comme ça qui relèvent de la magie. Alors après il y a la magie, tout ce qui est féerie, quoi. La magie de tout ce qu'on ne peut pas voir et prendre une seule fois dans la caméra, c'est-à-dire les levers de soleil, et puis toute la beauté des moments, quoi. Et alors, en plus, quand il y a des instants de chasse, on va dire, ou d'approche pure, c'est un grand terme, magie. C'est évidemment magique, sinon je crois qu'on ne serait pas aussi accro, on n'aurait pas complètement changé du tout au tout, pénétré, et, oui, forcément magique. On peut dire que c'est un prédateur, dans le sens où il décide et il fait. C'est-à-dire que lui, par contre, il peut décider d'aller de tirer un chevreuil, il va décider, il va le faire. Voilà. Et là, je crois qu'il y a, il y a une grande maîtrise. Voilà. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est une grande connaissance, une grande maîtrise, et je suis humble, beaucoup d'humilité par rapport à Patrick, parce que, bon, il est comme un arbre, quoi. Il est dedans, il est dans cette histoire, quoi. C'est le prédateur du sommeil, on va dire. C'est clair. J'ai fait de la photo, moi. J'ai jamais eu cette sensation. Parce que je pense qu'on ne peut pas
Le prédateur est là pour ôter la vie, est là pour quelque chose, un mouvement puissant, grave. Il n'est pas là pour prendre une photo et la mettre au-dessus du buffet ou un truc comme ça, quoi, hein, ou en disant bon, j'ai fait la photo, c'est une chose. Ça devient grave et c'est pour ça qu'on rentre dans la peau, qu'on devient plus qu'un photographe. Pénétrer dans ce moment de félin, bon, mais c'est parce que je vais tuer, quoi. Parce qu'il va y avoir autre chose. Je m'apprête à faire quelque chose de grave, quoi. Grave et essentiel qu'il a été, en tout cas. Qu'il a été jusqu'à présent, parce que maintenant on va au supermarché, on ouvre la boîte et tout va bien, quoi. La tristesse, c'est qu'on a ôté, je pense que ça vient aussi, je crois que c'est on n'est plus dans le... Il y a deux phases, c'est-à-dire qu'il y a le côté prédateur, si on était vraiment prédateur, pour tuer, pour manger, c'est-à-dire que là, la famille nous attend, on est autour du feu de bois et on va manger le chevreuil, là, aucun problème. Là, on a tué, c'est bien, on va donner à manger à la famille. Le côté, on va dire, plaisir, un peu... Hein, parce qu'on peut mélanger à la fois le plaisir. Le plaisir qu'on a, c'est d'approcher aussi le chevreuil, d'approcher le sauvage, d'approcher la bête. Et de se dire, au fond, on pourrait s'en tenir là. Et c'est pour ça que c'est double emploi, quoi. Donc après, je suis triste parce que ce plaisir-là, je l'ai eu au moment où l'animal bouge. Où je le vois vivre, où je le vois quelque chose de tellement rare, quoi, parce que c'est quand même très sauvage. En tout cas, on n'a pas, je pense pas que dans la vie de tous les jours, on peut l'observer aussi longtemps que ce que nous, on les observe par moment, quand on approche, quoi. Parce qu'on les voit souvent, bon, mais c'est furtif, ils s'en vont, ou on va les voir dans des moments, dans un pré ou quelque chose. Mais il n'y a pas ce lien. Il y a un lien qui est très fort, on peut observer un animal qui va se gratter, qui va manger, qui va être là au soleil, qui ne va plus bouger. On est vraiment avec lui, quoi. On est vraiment très près. Et ça, quand ça s'arrête, on le tue, on dit merde, pourquoi j'ai ôté la vie, c'était tellement beau. Et c'est là où ça devient, où on peut avoir une tristesse, on se dit mince, bon, il m'a donné tellement de plaisir et puis il est là, inanimé et tout. Et puis ça ne dure pas longtemps, hein. Il y a un moment où... On éprouve évidemment un sentiment de tristesse. Ça part très rapidement parce qu'après, bon, on passe à autre chose. On dit voilà, c'est quand même du gibier, il y en a beaucoup. On efface tout et puis après, on le mange et puis c'est fini, quoi. Il n'y a plus de tristesse. Ça se vit, quoi. Ça se vit. Voilà. Il y a un instant comme ça où ça se fait, c'est naturel presque, on va dire. Pas de bruit, pas de... Ça passe comme ça, comme un trait, quoi. Moi, j'aimerais bien mourir comme ça, au fond. Voilà. Sans savoir que je vais mourir. C'est une bonne chose, ça, tu vois. Dire là, hop, clac, il y a une flèche qui me transperce de là-bas. Et pouf. N'en parlons plus, quoi. Voilà, c'est tout. Ça, après, on pourrait... Il y a beaucoup d'animaux qui doivent mourir aujourd'hui et qui savent qu'ils vont mourir et c'est pas bon, quoi. Je pense que c'est pas cool.
La passion. Je pense que la passion, à partir de là, bon, bah, il faut maîtriser. Hein. C'est une arme particulière. Donc, sans passion et sans entraînement, sans. Je crois qu'on peut rester chez soi, hein. c'est pas la peine. Hein. Donc, ça commence par là. Déjà, beaucoup d'années d'entraînement, de tir à l'arc sur cible. Et puis continuer surtout. Parce que si on s'arrête, c'est fini. Quoi. On perd énormément. Quoi. C'est une discipline. Voilà, discipline. C'est bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Quoi. Discipline, et puis ça peut aller encore au-delà, je pense. Parce que tout reste à découvrir encore et encore et encore. Ça vient tout seul, on est habité par quelque chose. J'ai l'impression d'endosser la peau effectivement d'un félin, d'un chat ou de quelque chose, d'un animal comme ça qui devient réellement prédateur. Où on sent plus rien, quoi. On ne sent plus ni la fatigue, ni la douleur dans les jambes, ni. Parce que ça peut arriver de rester très longtemps face à un animal qui vous regarde à 25 mètres, on ne voit que son œil. Et à partir de là, on doit surmonter cette chose-là. Et là, il y a quelque chose d'instinctif qui vient de loin. Je pense que ça devient comme une danse, ça peut s'apparenter au tai chi. Et le tai chi, déjà, ça vient à l'origine de mouvements félins. Quoi. Et je pense qu'on rentre dans cette chose-là. Et on est en même temps dans un bonheur parfait. Quoi. Dans un lien, quoi. On a un lien avec tout, avec ce qui nous entoure. L'animal, parce qu'on ne le lâche pas, on ne le quitte pas des yeux. Hein. Au moment où on fait ça, on a les yeux fixés. Ça peut être sur son œil, ça peut être sur une oreille qui bouge, ça peut être. Il faut disparaître dans le mouvement, pratiquement, parce que j'ai l'impression que les mouvements très lents comme ça, bon, quand on regarde un chat qui peut effectivement rester devant sa proie pendant une heure et ensuite l'approcher tout doucement. Mais ça, on le porte à nous. C'est quelque chose qui nous a été donné parce que ça vient automatiquement. Quoi. Et on est en relation directe avec l'histoire. Quoi. Ça vient comme ça. Quoi. Non, mais de toute façon, la vie n'est qu'un doute. Hein. À partir du moment où c'est un grand moment de vie pour moi, hein. Je pense que c'est un moment très fort qui nous appartient depuis l'âge des temps. Et bon, quand on y est confronté, forcément, hein, ça fait forcément peur. Parce que bah, voilà, il y a la mort, il y a la vie, pourquoi ? On se pose beaucoup de questions, hein. C'est pour ça qu'on est là aussi. Quoi. Sinon, ce serait pas. On resterait au centre-ville.
On a dû commencer la recherche vers 4h, 4h30. On a trouvé du sang à l'impact et puis de moins en moins de sang. Et puis on est arrivé dans une découverte, dans des grands êtres. Hein. Alors là, plus du tout de sang, plus rien, plus aucun indice. Hein. Mais le chien travaillait parfaitement, je pensais qu'il était sur sa voie. J'ai dit, le chien travaille bien et il est devant. Et puis on a fait 300 ou 400 mètres. Hein. Et d'un seul coup, le chien s'est mis à aboyer. Oh, j'ai dit, il est devant, il nous court devant. Puis on a commencé à trouver quelques gouttes de sang devant. Et puis à mesure, on continuait. Et puis, d'un seul coup, le chevreuil, on le voit devant le chien. Il n'a pas eu le temps d'armer l'arc. Et le chien, il a poursuivi le chien. Et puis on l'a poursuivi comme ça, on l'a relevé 3 ou 4 fois. Jusqu'à un moment où on descendait sur un tout petit ruisseau, comme ça. Et puis le chien arrive et il saute complètement dans le ruisseau. Je dis, tiens, il doit avoir soif, il doit être fatigué, il va se baigner, le chien. Et puis non, en regardant dessus, le chien était tombé sur le chevreuil. Il avait attrapé le chevreuil. Mais comme il avait la longe un peu courte dessus, le chevreuil lui a échappé. Et le chevreuil s'est débattu, il a fait 3 ou 4 mètres, hein, et il s'est mis de flanc de l'autre côté du ruisseau. Et le chasseur, d'une flèche bien décochée, a servi le chevreuil qui restait sur place. Voilà, et donc on a donné les honneurs au chevreuil, au chasseur et au chien. C'est l'éthique de la chasse dans sa plus grande valeur, quoi. Quelqu'un qui tire un chevreuil ou n'importe quel gibier et d'aller le retrouver, de ne pas laisser mourir un animal dehors, quoi. Malgré les souffrances qu'il peut avoir, il faut tout faire pour aller le récupérer, pour y abréger ses souffrances. Les chasseurs à l'affût, ils tuent un animal, comme ça, avec une flèche, l'animal s'écroule au milieu des autres, il court pas. Le problème, c'est de courir. À partir du moment où il court, n'importe quel animal qui court sécrète des toxines, puis la peur, il sécrète des toxines, qui fait que la viande reste molle, comme celui-là. Celui-là est mort après avoir couru. La viande est rouge. C'est une viande qui a souffert à la course, poursuivie par des chiens, par exemple pour cet animal-là. Et il a été tiré avec une carabine de très gros calibre, une 300 certainement. Les flèches ont des ailerons qui découpent la viande. Alors l'impact de la flèche, il est ça fait trois morceaux comme ça. On voit bien. Puis c'est bien ouvert. Hein. Les Romains disaient toujours hors de vis. En latin, c'est res non verba. Alors, res non verba, ça veut dire de l'action, mais pas de parole. De l'action, mais pas de parole. Messieurs, de l'action, pas de parole. Tout le temps, ils disent ça. Et ben, Patrick, c'est pareil. De l'action et pas de parole. Mais l'action, c'est de pouvoir tuer sans être vu. Bon, et pour ça, il faut être très silencieux. Il y a énormément de connaissances, de toute façon, dans l'approche. Il y a le sens du vent, il y a le sens par comment est transmis le son dans la forêt, si le vent vient de là, s'il vient de là, s'il y a un tourbillon, si. Puis, il y a beaucoup de connaissances de l'animal, beaucoup,
il y a énormément de choses. Ça demande une science terrible que les jeunes actuellement qui s'intéressent à ces genres de chasse retrouvent. Mais c'est dur à retrouver parce que c'est une chasse qui a été oubliée depuis 6000 ans avant Jésus-Christ, j'ai calculé moi. 6000 ans. Il y a 6000 ans avant Jésus-Christ, l'homme s'est fait aider par le chien à la chasse. Et avant 6000 ans avant Jésus-Christ, ils n'avaient qu'une seule chasse, c'était celle-là, l'approche. Alors ils essayent de retrouver cette science qui a été oubliée depuis combien de siècles. Alors c'est très dur. Et Patrick, il y arrive. Tout doucement, retrouver cette science de l'approche de l'animal. Se fondre dans la nature, au milieu des animaux. À partir du moment où l'homme a domestiqué le chien, il a complètement changé ses habitudes de chasse. C'est pour ça que la grosse différence qu'il y a entre les chasses en nature et les chasses à l'approche, c'est ça, c'est le chien. Le chien a été vraiment une découverte pour l'homme pour pouvoir chasser. Et les gens chassent traditionnellement avec un chien. Et ils ont complètement oublié d'autres méthodes de chasse. Tous ces instincts de chasse à l'approche ont complètement disparu. Alors pour retrouver tout ça, c'est là où Patrick est intéressant. Quoi. Il a vraiment étudié ça. Il faut approcher l'animal, sinon on n'a aucune chance. Et pour l'approcher, il faut connaître parfaitement ses habitudes, il faut connaître le vent, il faut connaître énormément de choses. Il a commencé à pratiquer ça il y a très très jeune. Quoi. À force d'y penser, je me demande si il n'arriverait pas à rêver d'être un chevreuil, lui, hein, à force de vivre avec.